Bonjour à tous. Alors c'est parti. Alors pour vous montrer un petit peu les appartements donc sur lesquels j'ai fait, c'est moi qui me suis occupé tout simplement du suivi chantier, de la maîtrise d'œuvre. Donc je vous ai fait le suivi. Donc voilà un petit peu le rendu final. Donc là on va pas tarder à livrer. Il nous reste quelques finitions, notamment les fenêtres et deux trois petits coups de silicone à droite à gauche. Mais voilà un petit peu l'appartement final. Je voulais vous le montrer comme ça qu'on va le livrer. Donc voilà la pièce de vie. Donc on a récupéré la cheminée, vous voyez, on a tout reponcé, l'ancien parquet partout. Là on a repeint, on avait une petite bande de bois. J'ai une petite astuce, voilà, au lieu de refaire tout le plancher à cause de ça, on a préféré jouer, s'en servir comme atout, le peindre en gris et faire des rappels de gris avec les meubles, on verra plus tard ça. Donc voilà un petit peu, donc là c'est la cuisine, on a la cheminée, on a le radiateur, là on a le balcon carrément derrière. Donc vous voyez, tous les plafonds ont été repris, tout a été repris. Donc ça vraiment c'est vraiment la livraison. Donc je vais vous montrer, les salles de bain sont finies. Donc là c'est le fameux dressing bureau. Hop. Donc là je vais passer comme ça. Donc là voilà, vous avez la douche. Donc voilà, une cabine de douche classique avec deux parois vitrées. On a le lavabo juste ici. Vous voyez, on n'a même pas encore effacé les trucs. Ensuite on a le WC ici. Donc voilà, le WC avec toujours le cumulus au-dessus du WC. Donc là voilà, on est sur un cumulus 100 ou 150 litres. Et la chambre. Donc voilà, la chambre avec donc les fameuses fenêtres qu'on avait refait. Donc voilà, tout est fini, tout est prêt à livrer. Là, on avait fait le choix de laisser les carreaux ciment, mais vu que c'est l'emplacement du lit, ça devrait être assez joli une fois que le lit sera installé. Donc voilà pour la livraison. Je ne sais pas si vous voyez le avant-après. Si vous retournez sur les premières vidéos, vous verrez vraiment le chantier avant-après. On a essayé de garder beaucoup de charme, donc avec le parquet, etc. Mais quand même partir sur du neuf. Donc voilà un petit peu le premier appartement. Donc là, je vais vous montrer le deuxième appartement là-haut qui est aussi fini, qui est aussi livré en même temps. Donc c'est juste au premier étage, au deuxième étage du coup. Vous voyez, là, voilà, il reste à nettoyer juste le couloir. Donc là, on est au deuxième. Donc on voit déjà que c'est neuf à l'intérieur. Donc là, même principe, on a récupéré toutes les tomettes. Donc vous voyez, et c'est exactement la même disposition. Donc on va avoir le salon. Donc tout en tomettes, on a gardé la cheminée en bois. Lui, il est très très lumineux. Donc voilà, voilà un petit peu, même cuisine, exactement même disposition. Du coup là, je ne sais pas si vous vous souvenez, le sol était vraiment mort. Donc là, on a fait carrément on a reposé un parquet sur la chambre et le dressing bureau. Au niveau de la cuisine, on a la même douche. Au sol, on a du béton ciré. Donc là, voilà, on a le petit robinet. Là, on a la douche. Ici, on a un peu plus d'espace à côté de la douche. Donc, le avant-après est quand même assez impressionnant. Donc, vous voyez, ça y est, les portes. Il reste quelques petits coups de silicone à droite à gauche. Le WC, exactement le même principe. Le cumulus en haut, les WC, le béton ciré. Et la chambre. Donc, là, voilà, ils ont juste les radiateurs à ce niveau-là. Donc on a les vitres double vitrage. Après bien sûr là on voit ici, on va le mettre en transparent à la fin du chantier quand on aura fini le troisième appartement. Donc voilà la chambre, le parquet tout neuf. On se sent vraiment bien, je trouve, dans les pièces. Ça fait vraiment, c'est vraiment pas mal, surtout qu'on est dans le budget. Immeuble acheté 70 000 euros, tout compris, on finit un peu moins de 150 000 euros. Donc vous voyez un petit peu le type de chantier que je réalise, puisque celui-là c'est moi qui m'en suis occupé. Et on va voir, je vais vous montrer l'avancée du troisième aussi, qui a aussi sacrément bien avancé. Donc là on sera à peu près sur, je crois qu'on va être à 5, entre à peu près à 5 mois de travaux pour tout l'immeuble. Donc on avait 6 mois, donc on est dans les temps. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, on a toutes les structures. Là, on a carrément tout qui a été doublé. L'électricien qui a passé ses gaines. Tout le plafond, toutes les structures, tout isolé. La salle de bain a été créée. Le WC aussi qui sera juste ici. Donc voilà, tout a été doublé. L'électricien, je crois qu'il lui reste encore quelques gaines, mais il y a tout qui est passé.
Quand je veux. Comme vous voyez un petit peu mieux, voilà. Donc là, voilà, il a même commencé à mettre le placo de ce côté-là. Il a déjà fait l'encadrement des fenêtres. Donc voilà un petit peu l'avancée. Donc la mezzanine en haut. Ici, un grand salon vraiment traversant, un peu style loft. Et la salle de bain ici. Donc là, on est vraiment sur la dernière ligne droite sur cet appartement. Ça a sacrément bien avancé. Les deux apparts en bas sont, ben, on vient de le voir, sont quasiment finis.